Et bonjour et bienvenue dans Full Set Mega Drive. Donc aujourd'hui, on va jouer à Hook. Hook version Mega Drive. Alors, pour l'instant, pas encore de son. Jeu édité par Sony Interactive et développé par Core Studio. Core que vous devez connaître pour Tomb Raider notamment. Alors. Dans Hook, on incarne Robin Williams qui est donc Peter Pan ayant grandi. Pour l'anecdote, ça se rapproche apparemment de la première adaptation au théâtre. Le jeu sur Mega Drive est quasiment identique à la version Super NES. Avec un stage en moins, si je dis pas de bêtises, il y a 11 stages sur Mega Drive pour 12 sur Super Nintendo. Allez, on va lancer. C'est un jeu qui a été plutôt bien reçu, il y a eu la moyenne en général. Alors, donc il y a eu plusieurs adaptations. Elle était adaptée sur Game Boy, Super NES, Mega Drive, NES. Donc NES, la version que vous avez vue juste avant dans l'émission de Defray. Sur arcade aussi, il est développé par Irem, qui est plutôt sympa. Alors attendez, on va lancer le jeu quand même, ça serait pas mal. Hop, start, install to. Donc on a déjà même quelque chose de plus sympa que la version NES. Hein, alors c'est du platformer, il est assez exigeant comme jeu. Alors, hop. Il faut vraiment connaître le pattern des personnages. Certains, il faut leur sauter dessus ou donc foncer dans le tas ou leur sauter dessus. Le personnage reste as. Voilà, l'exemple. Le personnage de Peter. Ok, bon, bah, écoute, va faire ta vie, toi. De Peter reste assez lent à diriger. Prends son temps, Peter, hein. Par contre, le saut a vraiment une bonne sensation de. Comment dire on a vraiment l'impression de planer, quoi. Hop. Voilà, donc comme sur NES, on commence par tabasser des enfants perdus. J'ai pas énormément d'anecdotes sur le jeu, mais j'en ai quelques-unes sur le film, à savoir que donc, au niveau du casting, alors j'ai un peu peur parce qu'il y a de l'eau là. Bon, on va. Le saut de la foi. Ok, ça va, je sais nager. Je sais nager, c'est bon, je sais nager, mais les poissons m'en veulent. Dennis Rodman, qui jouait donc Captain Crochet, a été assez infect sur le tournage. Il était vraiment entré dans son rôle de persécuteur de Captain Crochet. Et ok, première mort. Oui, donc. Peter sait nager. Il était donc jusqu'à manger de l'ail pour parler à 2 cm des autres acteurs. Se barrer du tournage avec les danseuses. Voilà, alors que Robin Williams a été adorable sur tout le tournage, à offrir des cadeaux aux enfants. Bonne petite, donc ce qu'on disait tout à l'heure, lui profiter de. Des entr'actes, en fait il a été pendant un moment artiste. C'est fini, oui. Artiste de ski. De ski, mais qu'est-ce que je raconte? Artiste de cirque. Et donc il en profitait entre deux prises pour cracher du feu ou jongler. Petit clin d'œil aussi, on retrouve Phil Collins en inspecteur au début du film. Et les premières répliques du film sont celles de Dennis Hoffman dans l'avion qui part à la place du capitaine. Alors, toi, vas-y, repars chez ta maman, la boule qui me persécute. Voilà. La boule qui dans le jeu, alors, il a le même costume dans le film, mais là, dans le jeu, ça, on dirait vraiment un Bibidum Chamallow. Faut savoir aussi que Clochette sortait d'une séparation et d'un burn-out. Ah oui, du coup, j'ai la poudre magique. Je peux planer. Cool ça. Ça y est, Peter a pris de la cocaïne. Le film a été assez chaotique au niveau du tournage aussi. Ils ont dépassé le budget, ils ont dépassé le temps de tournage. Si je dis pas de bêtises, le bateau. En fait, c'était un.
L'accessoiriste était un accessoiriste très réputé de théâtre, mais pas tellement habitué au cinéma. Le bateau de crochet qui devait flotter ne flottait pas. Ils ont dû refaire le décor. Ouh, premier boss! Tiens, déjà? Ah, ok. Qui m'a défoncé? Est-ce que je vais reprendre. Ok, ça va, je reprends là, ils sont sympas. Hop. Ok. Ok, ils sont plutôt sympas sur le premier boss. Ok, le premier stage fini. Salut, salut Dr. Jones. Salut Refo. On revient à la souris, parce que c'est un peu dégueulasse, désolé. Est-ce qu'au niveau du son, on est bon sur le jeu? Les musiques sont plutôt agréables hein, pour de la Mega Drive. Tu n'entends rien. Alors ok, on va augmenter le son du jeu. Le son est très bas, ouais. Ça dépend vraiment entre les deux jeux. Alors, où je vais? Qui me montre la carte, hein. Grande mode et 16 bits, on va vous montrer une super carte ce qu'on a fait. Je pense qu'on va lancer par Mario. Allez, deuxième stage. On va défoncer Sonic. Qu'est-ce qu'il est lent quand même? Non, il veut pas monter sur la branche. On va éviter la flèche et récupérer la petite feuille. On va faire dérouler à la feuille de vigne. Ah ouais, ok. Ah merde, du coup j'ai perdu ma. J'ai perdu. Les abeilles, elles sont pas cool du tout. Alors, est-ce que. Non, 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 non. Eh bon. Laisse-moi la cerise. Hop là. Alors, c'est un jeu que j'avais commencé à l'époque. Je l'étais fait prêter sur Super NES. Et je tombe comme un caca. Mais sur Mega Drive, je l'ai juste dans la collecte. Je sais pourquoi maintenant, il casse vraiment pas trois pattes à un canard. Alors. Ouais, enfin là, c'est plutôt. On tabasse plutôt du pirate que de l'enfant perdu. Enfin, c'est plutôt eux qui me tabassent. Hein. Donc, pour reparler du film, on retrouve donc un. Un Peter Pan qui a grandi et qui est devenu. Oh, une vie! Une vie! Oh non, il me fait pas recommencer là, saloperie! Et donc on retrouve un Peter Pan complètement flippé de tout. Et absent pour ses parents. Absent pour ses enfants, pardon. Certains y voient une analogie entre Spielberg et ses parents où il était, il accusait son père d'être très très absent pendant son enfance. D'ailleurs, je vous conseille au niveau des anecdotes sur les tournages de Peter Pan de regarder la chronique du Méa qui est excellente. D'ailleurs, j'ai aucun mérite, je lui ai piqué une partie de ses anecdotes. Et je suis retombé comme un caca. Dedans. Oui. J'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère arthritique pour avancer avec Peter Pan parce qu'il est vraiment pas rapide. Je pense que Peter Pan prend du Xanax pour aller au pays imaginaire.
Alors, hop. Alors, on va prendre. La vie est tracée. Non, 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 non. Bon, ok, c'était encore un truc. C'était violent. Donc, on va éviter de prendre la vie la prochaine fois et on va la jouer safe, hein. Mais tu veux pas juste tuer les ennemis? On s'en fout, ils sont imaginaires. Allez, on va essayer de rusher un petit peu ça. Déjà, alors, les abeilles ont décidé de me foutre la paix. Et maintenant que je le dis, elles reviennent m'emmerder. Hop là. Donc, je vais rester bien sage sur ma branche. D'ailleurs, à noter que la vie de Peter Pan est signifiée par des champignons. Je pense les champignons hallucinogènes qu'il doit manger pour être au pays imaginaire et pour planer un peu de temps. Parce que voilà, on voit que le stage est chronométré. Allez, hop, on la joue safe, on descend. Et il est pas rapide. Ah ouais, la chauve-souris, essaie de m'avoir là. Tiens. Tiens, Batman, si je te chope, je t'en fais un parapluie. Hop. Je sais pas à quoi servent, mis à part au point. C'est très juste les. J'ai la pression dès que je fais un bond là. Au niveau du saut, tu sais. Enfin, tu sais vraiment pas si tu vas arriver sur la branche ou si tu vas te casser la tête. Hop là. Allez hop. Deuxième boss. Qui me jette des glands. Qui me touche et qui. Oh, mais sérieusement? Ok. Ok. Il est où? Ouais, d'accord. Ok. Allez, petit peu de poudre magique. Ok. Ouf. Ah ouais, alors, le pattern du boss. Ouais, non, mais d'accord. Ouais, fais gaffe. Oui, fais gaffe. Mais alors là, c'est un peu du viol quand même. Parce que j'arrive pas à monter sur cette fucking branche. Ok. Tiens! On va essayer de rester en haut. Hop. Ok. Ok, bon, ça va. Oui. C'est pas fini? C'est pas fini, ok. À moins que. Ok. Tiens, après ça, les enfants perdus. Donc, ils ont pris quand même certaines libertés avec le film, hein. Bon, deuxième stage terminé, c'était juste quand même. Au niveau des vies, j'ai plus rien. Je suis à poil. Alors comment? C'est rigolo parce que la carte va fait tout le tour pour te dire que t'es là. Ah ouais, non, je fais homologuer le speedrun, mais je pense que je vais faire homologuer le speedrun en déambulateur. Premier speedrun sous coma artificiel. Ah, c'est la musique de Supercopter. Ok. C'était des cailloux ou il avait deux grosses burnes? Alors, comment je vais sauter là-haut, moi? Saute, plane, non.
Non, il veut pas sauter, mais je suis obligé d'y aller. Alors. Ok, alors la hitbox, elle est juste magique quand même, hein. Ok. Ok. Oh, d'accord. C'était un piège. Ouais. L'autre avec ses deux grosses burnes. Bah oui, continue. Il va nous rester 5 minutes. C'était quel épisode où le père de Stan dans South Park a un cancer des testicules et il se déplace sur ses testicules comme un sac rebondissant. Non mais sérieusement, eh oh, mais t'es sérieux là? J'étais bloqué dans son caillou. Alors, et lui ne meurt pas, il remonte. Allez hop, toi tu vas mourir. Hop. Ok, ouais, il est safe, hein. Voilà. Alors, ouais, faut vraiment sauter au bord. Et là, tu te dis, mais j'y arrive pas, quoi. Et pourtant, si, ça passe. C'est vraiment au poil de fesses. C'est génial, hein, la physique dans les jeux vidéo avec les cailloux qui remontent. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Non, il fallait juste que je récupère, que je me fasse toucher comme un caca. Alors, le papillon me sert absolument à rien, j'ai l'impression. Pan ne se retourne pas. Un petit peu de vie, ça serait le bienvenu, s'il vous plaît. Pourquoi cette musique est assez sympa. J'aimerais bien avoir la super épée là. Hop. Ok, toi aussi, il te faut deux coups. Ah, tu galères, hein. Sérieux? Sérieux, tu m'as touché là? Je suis un peu dégoûté quand même. Toi, tu vas arrêter. Oh, il me jette des grosses boulettes de viande. C'est des boulettes Ikea qui jettent. Ah, et tu veux un peu de... Tu fais un peu de sauce de reine avec. C'est passé. Hop là, on évite la grosse fleur. On saute. Pas comment il m'a touché lui. Et pourquoi j'ai continué d'avancer? Et pourquoi il m'a touché là alors que d'habitude je saute par-dessus, elle me touche pas. Ah ok, là c'est le viol complet. Alors, je pense que je vais pas aller chercher l'épée parce que de toute manière il ne restera plus assez de temps. Pour finir le stage, sinon on va essayer de terminer le stage. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Ping. D'où tu m'as touché? Hop. Ah, c'est les... Donc les cerises te filent de la vie. Ok, lui il tire des flèches enflammées, il est vénère. Oh là là, mais sérieux, c'est relou. Ben voilà. On va terminer sur un game over. C'est parfait. Bon, ça va, il nous restait encore 2 crédits. Bah écoutez, c'était Hook sur Mega Drive. Merci d'être passé. On se retrouve pour une prochaine émission. Et puis, à bientôt.